Ok. Amen. Ok, peut-être ici, mon sacoli, et le monde a beaucoup de côté pour la pouvoir côté à l'époque de la maison. Que la paix de Jésus-Christ soit le partage de tout un chacun. C'est le Seigneur qui nous a donné ce temps par son amour. Nous sommes le 5 octobre 2021. Nous sommes toujours le 5 octobre 2021. Nos enseignements habitent toujours sur les sept sceaux. Nous recevons notre enseignement sur les sept sceaux d'Apocalypse. Et c'est quoi ça n'ayant pas aux années pour persévérer. La joie est de ton côté parce que tu persévères. Quand vous êtes en pico, au besoin salaire n'ayant pas. Quand tu persévères, tu auras le salaire de ta persévérance. Amen. Zambako sakate. Le Seigneur ne ment jamais. Parce que ce n'est pas l'œuvre humaine. Mais c'est l'œuvre de Dieu. L'écriture dit ceci. L'œuvre de Dieu te bénira. C'est l'œuvre de Dieu qui te bénira. Il faut dire amen. Il faut toujours répondre par amen. On dirait, les paroles, il faut que l'on ait. Il faut sentir ces paroles du fond de ton cœur. Tant que l'on dit parole de Dieu, lorsqu'on dit l'ilobanzambe, il faut que l'on ressentir l'amen provenant du fond de ton cœur. Ça même est fort. Sans aucun effort, il faut le sentir en toi. Amen, Zoloba, Eza Bongo, Pesa la Bongo. Amen signifie qu'il en soit ainsi. Eza ordre Zamba, Pesa qui peuple d'Israël. C'est l'ordre que le Seigneur avait donné au peuple d'Israël. Que tant bas autant à la parole. Et lorsqu'on fera la lecture de la parole, tous les peuples commandent pour répondre Amen. Libota Mubibe Yanulakana, Amen. Quand ça dit mention et écriture sainte. Et lorsqu'on fait mention de l'écriture sainte, il faut yokanakati nayo, Amen. Il faut ressentir à toi un amen du fond du cœur. Ce n'est pas comme les docteurs ou les prédicateurs des églises des hommes. Donne-moi un amen bien.
On dirait c'est à lui qu'on dit Amen. Amen, balobanga na parole de Dieu. Amen, on dit à la parole de Dieu. Isate bazolo benande moté. On ne le dit pas au prédicateur, non. On est une église abominable. Là, ce sont des églises abominables du monde. Le Seigneur a bien monté un programme là. Le Seigneur ne connaît pas ces églises dans son programme. Dans la parabole, on l'appelle Matiti Mabé. Donc, Matiti Mabé. Donc, livré. Ma fausse église. Ma église est Mabé. Et la vraie église, les amis, le blé. Et la vraie église, c'est comme le blé, les grains de blé. Et toi, tu es compté dans la vraie église parce que tu as la vraie parole. Cette parole est une parole puissante. Et cette parole est une parole puissante. Et ça la caminène. Cette parole opère de miracles. Et c'est que nous avons confiance dans la parole de Dieu. Et il faut que tu aies confiance à la parole de Dieu. Tozotanga troisième saut. Nous lisons le troisième saut. Apocalypse 6. Apocalypse chapitre 6, verset 5 et 6e. Le verset 5 et 6. Pasteur Seba, Kolimbole Rabisson, Aligala, Tantototanga. Le pasteur Seba va nous interpréter en Ligala lorsque nous ferons la lecture. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entends un être vivant qui disait bien. J'ai regardé et voici pari un cheval noir. Celui qui est monté tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait: nous avions pris le verset 6 d'Apocalypse 6. Oui, le dit, et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait. Qui dit, Nayoka qui na katikati ya baibikela mumine inabomo imongongo mako koloba. Une mesure de blé pour un denier. Mesure mako ya blé pour un dinar mako. Et trois mesures d'orge pour un denier. Pe mesure misatu ya orge pour un dinar mako. Mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Asibo salate mabe na mafuta pe na vigno. Tobandeli na troisième saut na verset sixième. Au troisième saut, nous avions commencé par le verset 6. Après, tobozonga na verset cinquième. Après, nous allons retourner au verset 5. Nous allons écouter ça d'abord, Boyer. Nous étions en train de montrer ceci. Macambonion sozomo na Apocalypse. Toutes les choses que vous voyez dans Apocalypse. Le Seigneur a lobé la kiango déjà en image à Moïse. Le Seigneur en avait déjà parlé comme des images dans la loi de Moïse. Donc, toujours qui texte y a Hébreu 10. Nous avions pris les textes d'Hébreu 10. Et verset premier. Et le verset premier. Et le dit, la loi possède l'ombre de biens à venir. Mobeko ezaline lilingi ya makambo malamu ekoya na tango suka. Donc makambo ezali koya na tango suka, donc na tango oyo ya eglise ya pe na tango ekoyaka. Le bien à venir de ce temps de l'église et du temps et la suite du temps. Soko tali yango na mobeko. Si tu les regardes dans la loi, okomona yango. Tu vas voir ces biens à venir là. Yango ko remarqué que ba Paul, ba Pierre, ba Matthieu, bazalaki kotanga ba prophète. C'est pourquoi vous allez remarquer que les apôtres, pour prêcher ou enseigner, lisaient d'abord le prophète. Donc bazota la ba prophète. Donc ils lisaient les prophètes de l'ancienne alliance. Abosa rana besoin à côté ya sur le Saint-Esprit. Il peut avoir besoin de prêcher sur le Saint-Esprit. Maluki yango d'abord na ba livre ba prophète ndenge Nzambe alobelaki yango. Mais il commence d'abord par les chercher dans les livres des prophètes comme de la manière dont le Seigneur l'avait parlé.
Nous prenons un exemple de ce qui s'accomplit dans la vie du Christ Jésus. Lorsqu'on partageait ses vêtements, et bazali ko tire au sort tinique na ye, et bazala ki ko beta mbese pour pas jouer la mbana ya 4. David en avait déjà parlé dans David en avait déjà parlé dans psaume 22. Dans psaume 22. C'est comme ça de voir ma écriture. C'est comme ça que tu dois connaître. Et l'on va voir mon amour kuna na côté ya accomplissement Christ. Avant que tu ne voyes quelque chose dans l'accomplissement Christ Jésus. Il y a pas déjà dans le livre ya la loi les psaumes et les prophètes. Sache que cette chose là est déjà dans les livres de la loi les psaumes et les prophètes. Nazuinda qui ça tant que Jésus na croix au loba. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je prends un exemple quand Jésus à la croix dit Nzambe nangai, Nzambe nangai, pona nini otikinga. Yango na verset 2e ya psaume 22. Cette parole se retrouve au verset 2 de psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nzambe nangai, Nzambe nangai, pona nini otikinga. Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mais vous allez qu'on ne mosika nangai, Nzanga ko kambo la. Osuna verset 17e. Vous prenez le verset 17. Y a psaume 22. Toujours le psaume 22. Car des chiens m'environnent. Bamboa bazali zinga zinga na ngai. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Pe tulubu ya batoma pe bazali ko zala zala zinga na ngai. Voilà verset 17e à psaume 22. Le verset 17 de psaume 22. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Bamboa batubi maboko pe makolo na ngai. Et j'ai besoin de bela et comme je sais mais pas Jésus. Déjà, on a parlé de ce qui se fera chez Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on l'avait cloué à la main? A continué, Koloba. Je pourrais compter tous mes os. Et ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ce n'est pas qu'on avait pris les vêtements de Jésus, on les a partagés en morceaux. Non. Ce n'est pas ainsi. Les vêtements déjà dans la prophétie, ça n'a plus rien. Les vêtements déjà dans la prophétie sont au pluriel. Beaucoup de vêtements. Ils ont partagé mes vêtements. Et mais quand il n'y avait qu'une seule tunique, ils ont tiré au sort. Toutes ces choses, David les chantait dans cette psaume. Mais na kata koyemba na ezango lobela les biens à venir. Mais dans ces choses, ces choses-là parlaient des biens à venir dans la suite. C'est comme ça qu'il faut comprendre l'écriture sainte. C'est comme ça que tu dois comprendre les saintes écritures. Ce qui aux animaux en Zambé, si tu es un fils de Dieu, et puis ça Zambé, sougaga ina comprendre bien. La loi et les prophètes. Il faut toujours prier à Dieu de t'assister à bien comprendre la loi et les prophètes. Parce que bâton va comprendre la écriture à ma prophète. Parce que ceux-là qui ne comprennent pas les écrits des prophètes, ils prêchent toujours mal. Parce que l'écriture va prophète des accords ma borne. Parce que ce sont leurs écrits qui sont le borne. Ils ont protégé pour. Dans la suite des temps et ça ne m'a mal. Et ce sont ces écrits-là qui protègent en fait que l'œuvre de la suite des temps soit agréable, que se fasse bien. Donc pour mon alolenge makambo kosalema leloyo, pour que tu vois comment est-ce que les choses se feront. Il faut tendre bien la loi. Il faut bien lire la loi de Moïse. Yango monita tobandaki. C'est pourquoi lorsque nous avions commencé, la texte dans une Apocalypse 6 verset 6. Les textes que nous avions pris dans Apocalypse 6 le verset 6. Kuna balobeli mongongo moko nakati ya bambikela momine. Là-bas on a parlé d'une voix qui sortait au milieu des quatre êtres vivants. Tu vérifies qui yango? Nous l'avions vérifié dans Apocalypse 5 verset 6. Dans Apocalypse 5 le verset 6. Anionda zanaki na trône. C'était l'agneau qui était au milieu du trône. Donc voix où est en Apocalypse 6 verset 6. Donc la voix qui est dans Apocalypse 6 6. Esa voix ya anion. C'est la voix de l'agneau lui-même. Nous y avons dans Apocalypse 5 verset 6. Nous l'avions pris dans Apocalypse 5 le verset 6. Et puis total y a aussi dans Apocalypse 4 verset 6. Et puis nous l'avions vu encore dans Apocalypse 4 le verset 6. Neto avança qui? Alors nous avions avancé.
Parce que rôle à ministère est ané. Parce que c'est quoi le rôle du ministère de la parole? Et sunga kalimbo tabame mamate na mateya ya mabe. Le ministère aide le peuple à ne pas être emporté par les fausses doctrines. Yango musala ministère. C'est ça l'œuvre du ministère. Et kozwa peuple et memi peuple na perfection. Le ministère va amener le peuple à la perfection. Na tine te peuple za la flottante na tout vent de doctrine. Dans le but que le peuple ne soit pas flottant à tout vent de doctrine. Aux yeux Ephésiens 4. Ephésiens chapitre 4. Et il a, à partir du verset 11, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ils sont là pour quoi? Verset 12. Il y a Ephésiens 4, ils ont répondu. Amen. Pour le perfectionnement des saints. Pour na boko kibe ya basantu. En vue de l'œuvre du ministère. Na mosala na bango ya lutomo. Et de l'évitation du corps de Christ. Pe na moto ya nzoto ya Christo. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Kino tango ete toko mabiso manso na bomoko ya kondima. Unité de la foi et le goloba, même enseignement. L'unité de la foi ne veut dire que le même enseignement. Donc, l'unité de l'enseignement qui prêche l'église d'Ariwara. Et ça même l'idée où l'église de Saint à Lubumbashi zote. Et c'est le même enseignement que prêche l'église de Saint à Lubumbashi. Et ça même enseignement où l'église de Saint est en abandon ou bien est en la France ou bien en misoté. Et c'est le même enseignement que prêche les églises de Saint au Bandundu en France. C'est ce qu'on appelle unité ya foi. Ya mone pomoko ya kundima. Rôle nango nani a na charge nango. Et qui a cette charge là? Ministère. Moussala l'automne. Vous aurez un amalant. Amen. Ensuite, en édification de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Donc il faut connaissance et voyant en ministère. La connaissance viendra par le moyen du ministère de la parole. À l'état d'enfant. Donc, le ministère a été à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, on te regarde, on te voit vraiment que tu es devenu comme Christ. Qui fera cette œuvre? Bisso, ministère de la parole. Nous, le ministère de la parole. Bon anime. Pourquoi? Maintenant, on donne le but pour lequel le ministère fera toute cette œuvre. Pourquoi l'unité à foi? Pourquoi la stature parfaite? Pourquoi la bonne position? Jusqu'à la stature parfaite. Verset 14. Le verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Pour être mis sous tous à la licence ou banaté. Donc, ministère et le Golaka. Moutou, moine. Le ministère fait quitter les hommes des enfants. Oui, mais moine, il y a maternelle, il y a besoin. Vous voyez un enfant de l'école maternelle, les besoins d'un enfant de l'école maternelle. Moi, je suis comme une université, il y a besoin. Voyons aussi les besoins d'un enfant qui est arrivé à l'université. Rôle du ministère. Le rôle du ministère. C'est un homme qui bébé, université. C'est de te faire quitter un enfant de l'école maternelle pour te faire un universitaire. Mais y'a ma kambanza. Mais dans le chose de Dieu. Et ça, otika la soumanate. C'est que tu ne puisses pas demeurer un enfant. Flottant et emporté à tout vent de doctrine. Oyazo yengai, oyazo me mama pea, me mama naba, matea nyo soamabe. Rôle du ministère, le rôle du ministère. Rôle du ministère est que. Le rôle du ministère est que. C'est frère. De Komobal de Komobal. Vraiment l'enseignement. Lorsqu'elle écoute vraiment l'enseignement. Vraiment, elle arrive à comprendre que cette doctrine, elle est mauvaise, elle est fausse.
Elle ne s'arrêtera pas seulement à dire qu'elle est fausse. Mais elle va démontrer par les Écritures qu'elle est fausse. Par rapport à telle Écriture, par rapport à telle écriture, il ne vit pas selon les écritures. Parce que le ministère lui a donné la connaissance. C'est ça le rôle du ministère. Il y a un monde de Moussala l'automo. Et ça fait que ce n'est pas que tu es dans l'assemblée des saints. Ma commune a territoire mongo. Mais il arrive dans un territoire. À condition qu'il y ait église, nini wana. Et puis il entre dans. Dans une église quelconque, on ne sait quoi. Et ça, c'est ensemble. C'est seulement Dieu. Essentiel que nous sommes là. L'essentiel que nous prions. Dans la terre, il n'est pas encore mon Seigneur. Il faut y être à côté. C'est ça. Rôle du ministère de moi. C'est ça le rôle du ministère. Talane et Moïse expliquaient d'abord ministère. Écoute comment Moïse avait expliqué le ministère de la parole. Dans Nombre 27. Dans Nombre chapitre 27. C'est très important, Makamboto Zoloba. C'est très important les choses que nous disons. Nombre 27. Nombre chapitre 27. À partir du verset 12e. À partir du verset 12. Nazui même verset 16. Je prends d'abord le verset 16. 15, 10 à 17. Moïse parla à l'Éternel et dit. Mose à l'obéla qui n'a. Yahweh Péatalis. Que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, Yahweh Goyazali Nzambe Yamili Moya Souminios. Nazana nombre 27, verset 16, au Ketina 17. Établisse sur l'assemblée un homme. Atia Likolo Toliboso Yalibo Tamotomo. Yoka condition à Moïse. Maintenant écoute la condition du prophète Moïse. Qui sorte devant eux. Et qui entre devant eux. Donc, Moto, on ne va pas établir un chef qui sort avec le peuple dans la bataille et l'on apprend qu'on l'a tué là-bas dans le combat. Donc, les années Timothée, à cause de la débat, l'abranamisme, c'est comme un ministre qui fait débat avec un branamisme, mais il n'est pas parvenu à convaincre. Donc, Mathieu qui monte, mais. Mais on a établi un ministre, mais on le tue facilement dans les combats. On a établi un ministre, mais il fuit les débats avec les autres. Nous un ministère de. Ce n'est pas le ministère de la parole. Ami, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer. Ami, manabango ne tupapé à son manabango. Afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des bébés qui n'ont point de berger. Point de l'Isanga Yahweh de Zalate Lokola Banyama Oyo Basaki Mobateri. Donc quand Moïse veut expliquer le ministère, lorsque Moïse explique le ministère de la parole, Azo comparant na Lolenge Motoyo applique au combat troupe et combat. Il les compare au chef du troupe dans un combat. Devant l'adversaire. Devant les adversaires ou les ennemis. Son cabinet qui n'a 500 personnes. Donc s'il était sorti avec 500 personnes dans ce combat-là, à Bozoma, 500. Il va retourner avec ses 500 personnes. Mais à ennemi. Mais il aura aussi des captifs qu'il aura. Et les emporte dans son camp. Alongoli Bango Basuki, Nyoso, a chargé ses Bango Bilamba. Il va les raser les cheveux, tout, tout, et puis les change de vêtements. C'est ça le ministère. Nemo sala le tomo yango. Donc, il faut tellement un débat, une doctrine moussousou. Il peut se faire dans un débat contre une fausse doctrine. La doctrine ouana ata deux personnes ba katani bazongi kotena. Et dans cette doctrine là même deux personnes l'abandonnent pour rallier son camp. C'est ça le ministère. C'est ça le ministère de la parole. Afin que batubas à la flottante à tout vent des doctrines. O batubas à la thé à donc, ministère, il faut bien la doctrine. Donc, le ministère doit bien connaître les doctrines. Donc, donc le fausse doctrine. Pour affronter, préserver le peuple. Il doit le savoir pour
les affronter en vue de préserver peuple. Même si le peuple sortira, mais que le peuple retourne. Sortir, c'est comme un frère ou une soeur qui rencontre une fausse doctrine et fait les débats. Mais tu as des arguments solides pour la renverser. Et qui t'a donné ces arguments? Éphésiens 4 dit ministère. Éphésiens 4 dit le ministère de la parole. Et yango il faut être partout et salama na lolenge que unité à foi et salama. Et cela doit se faire de manière à ce qu'il y ait unité de la foi. Sokozo défendre quelque chose. Si tu défends quelque chose, bien aimé. Il faut que ça base à l'écriture sainte. Il faut que cela soit soutenu ou que cela repose sur une base biblique des écritures. Vous retrouvez le ministre Moussousou. Tu vas trouver notre ministre de la parole. Basant faible devant la doctrine Moussousou. Qui sont faibles devant notre doctrine. Ils ont utilisé la doctrine Moussousou. Ils utilisent ces autres doctrines. Ils utilisent devant le peuple et la paix l'évangile éternel. Sans vous malin, moi c'est vous. Mais tant que nous avons eu l'évangile éternel. Mais lorsque les frères écoutent cette doctrine, ils sentent que ça, ce n'est pas notre évangile. C'est très grave. Ils ont vraiment ma tata. Ils ont monté, ils ont monté, mais. Azana estime plus na enseignement monsieur Azali banda ya enseignement des saints. Il y a des ministres même dans l'église des saints qui ont plus d'estime pour les enseignements qui ne sont pas celles des saints. C'est une honte. Les assoni. Honte vraiment. Soni penza. Comment on peut protéger le peuple pour pas la flottant à tout vent des doctrines? Comment tu vas protéger le peuple pour qu'il ne soit pas flottant et emporté par les doctrines? Parce que ce qu'on a positionné bien t'es. Parce que si tu n'es pas bien positionné, bien aimé. L'idée à ma bébé, on a même nanda pour place aux amis pasteurs en Zarate. Et un mauvais enseignement peut te suivre jusque dans ta maison où le pasteur ne sera pas. Tu peux croiser un débat. Mais facilement, bah, emporter. Mais facilement, on t'emporte. C'est la mort. Les aliwas. Yeba que l'idée à ma bé et vous en isamoutou lola. Sache qu'un mauvais enseignement va faire rater le ciel aux gens. On s'arrête en côté. Il ne faut pas jouer avec un faux enseignement. C'est très très important. Yeba vrai enseignement. Vous en avez bien. C'est très important que tu saches le vrai enseignement, que tu sois posé ou positionné. C'est parlant de Senga quand même. Attends, il y a ma partage. C'est par là même que s'impose les temps de partage. Il y a débat d'ensemble. Des débats d'ensemble avec les frères. La question-réponse. Les questions-réponses. Cette vie-là, c'est l'église. Il faut en avoir vraiment. Cette vie-là, c'est ce que l'église doit avoir. Vous avez un sujet. Vous prenez un sujet. Vous êtes sur la parfois, ton côté retraite, vous êtes sur la intimité. Et vous entrez en retraite et vous vous entretenez sur intimité seulement. On travaille ensemble. Vous travaillez ensemble. Posez ma question. C'est très bien. C'est ça la vie. Des saints. Des bons mots, il y a ma santé, il y a moi. Il persévérer dans l'enseignement. Il faut prendre du temps d'enseignement. C'est très important. Je les reprends tout moment. Parce que je sais que c'est ça qui est ton salut. Les restes des choses, le Seigneur les donne même aux païens. Bon, l'argent, l'avion, satellite, la caméra, ma pagan. Le Seigneur les fait cadeau même aux païens. Ma passe. Le jumeau. Le Seigneur le donne à tout le monde. L'intelligence dans les études, le Seigneur la donne à tout le monde. Et la pluie avait ici. Comme la pluie qu'il a fait tomber. Ce n'est pas seulement que pour que nos champs bénéficient. Maintenant, ma chambre est ma païen. Même les champs des païens, ils sont aussi cette pluie. Mais par la connaissance. Et non
avons la connaissance de la parole. Négligent. Vous allez voir le diable installer la négligence en toi. Attends, frère, attends, n'aimite même. Frère, même si je ne connais pas, n'aimite. Je ne connais pas. Mais je crains Dieu. J'ai une pitié de ses frères. Wana esate que aimite donc azoboya de koyeba. Donc il refuse de connaître, il repousse la connaissance. Mais nazoloba, nazoba nzambe. Tu crains Dieu. Au moins nzambe. Tu ne verras pas le Seigneur. Quand tu méprises la connaissance, tu méprises la parole, l'ennemi a pu s'emparer dans la fausse doctrine. L'ennemi viendra s'emparer de toi dans sa fausse doctrine. C'est pourquoi je te mets en garde de bien veiller sur la lampe que le Seigneur a établie dans les. La prophétie, l'enseignement. Parce que Pierre a donné la prophétie, c'est une lampe qui brille. Dans 2 Pierre 1, dans 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 17, à partir du verset 17, Paul, Pierre en parle. Que Dieu bénisse. Amen. Donc c'est ça, là, vous continuez. Tant mon nion se réveille le coin. À tout moment, je continuerai à vous réveiller sur la connaissance. C'est très important. Les animaux touya koleka. Boyangonde et gotonga yo makasi mingi. Parce que c'est ce qui va beaucoup t'édifier. Tozolo de la na troisième saut. Nous parlons sur le troisième saut. Totalisa qui déjà que la voix où est dans verset 6e Apocalypse, la voix qui dit ou la voix qui sort dans Apocalypse 6, Esa l'agneau de Dieu. C'est l'agneau de Dieu lui-même. Namunoko l'agneau de Dieu mensonge oui godimate. De la bouche de l'agneau de Dieu ne peut sortir le mensonge. Oyo a proclama qui wana Esa. Vérité. Ce qu'il avait proclamé était la vérité. Tangwalobi, une mesure de blé pour un denier. Lorsqu'il a dit une mesure de blé pour un denier. Trois mesures d'orge pour un denier. Et trois mesures d'orge pour un denier. Ne faites pas du mal à l'huile et au vin. Et pour ça, la mabete, na mafuta, pe na vigno. La parole est pesa makanaba mo pe na ba terre. La parole est toujours donnée dans des mots éternels. Si vous comprenez les mots que vous utilisez dans la écriture et Siri au Bumi. Si tu n'arrives pas à comprendre les mots éternels utilisés dans les écritures, c'est fini, tu te perds. Première erreur, oyoyo, batouébele bazan mon écriture wana. La première erreur que commettent les gens dans cette écriture, balobi que parole de Dieu bate kakayangote. Ils disent que la parole de Dieu, on ne la vend pas. Bisous toujours répondre boy. Nous répondons comme si. Bate kakayangote. On ne vend pas la parole de Dieu. Bate kakapeyango. Mais on la vend aussi. Ne toujours pas sa écriture. Alors nous donnons les écritures. Parce que argument bateau que parole bate kakate. Parce que les arguments des uns des autres, la parole, on ne la vend pas. Et la même doctrine, oyoyo, ba mingi mingi batei, ya ba mérite, de batei ningwana avec Pereira. C'est une doctrine prêchée plus par les prédicateurs venant des États-Unis d'Afrique. Et influençant peu batei bien en Afrique, parce que batei mousoso, bazalaka impressionné dans le livre où tu n'es ni banda. Et cela a influencé beaucoup de gens en Afrique parce qu'ils sont très impressionnés par les livres qui viennent de l'extérieur. Lorsqu'il apprend que ce livre provient des USA, il dit vraiment c'est un bon livre. Mais toute parole, il faut vérifier avec les Écritures. Mais toute parole doit être vérifiée par les Écritures. Même Gaïné Nazoté, ceux qui m'ont amené à conformité, rejette. Même moi qui vous prêche, si je dis quelque chose non conforme à la parole, rejette-la. Non, je n'étais pas mort pour.
pour toi. Pour te pousser dans, dans la pensée qui est mienne. Nous tous, c'est Jésus-Christ qui était mort pour nous. Parole à Christ comme l'absolu. Nous prenons la parole du Christ et Jésus comme l'absolu. La parole écrite. Qui est dans les saintes écritures, c'est celle qu'on adore. Et tolobaka oui et amen. Pe tolobaka bongo pesa la bongo na oye komama. Ainsi qu'il est écrit. Nous lorsque nous lisons les écritures, nous diminuons et que les écritures accroissent. Tolobaka toi la gloire, toi l'honneur. Nous disons à toi la gloire, à toi l'honneur. Nous avons le rôle d'effacer nos noms. Mais présenter que Christ règne. Mais présenter les règnes de Christ et Jésus. Nous tombons là toujours la parole. Nous n'élevons que la parole. Et en gros, nous avons nos textes pour nous répondre. C'est pourquoi nous prenons les textes pour répondre. Dans Esaïe 55, verset 1er. Nous prenons Esaïe 55, le verset 1er. Ma réponse aux deux pèses. Au coup de la peine à mon tour, il y a retour na yo. Zéna na comment qui a mon accueil mon bobo ya. Tant on a besoin d'un dab. Les réponses que nous donnons, vous allez trouver un frère dit, je l'avais écrit dans un cahier, hein, tant que je rentre d'abord à la maison. Tu vas te rencontrer avec un débat. Donnez-vous pas la parole. Yo, pour répondre, aussi mais on a la paix. Et directement, la parole, on ne vend pas la parole. On donne, on vend aussi la parole. Maintenant, les gens sont des grands opposants. Donne-nous l'écriture. Et Zali, si l'écriture n'existe, pasteur n'a pas ça, la mission où Zali. Personne n'a monté la lèvre. Tu n'es là pas ces temps-là. Si on quoi? Et tu es tombé devant les gens, frère. Merci. Ah, n'a t'a qu'à mon carnet. Même si tu dis, je l'avais laissé dans les carnets. Oh, oui. Tu es tombé. C'est ça l'importance. C'est ça l'importance de toujours écouter, écouter les enseignants. Ezalaka pona ko gagner ma terrain. Donc c'est pour gagner aussi les terrains. Frère, frère, évangile, ezalaka conquête. L'évangile c'est une conquête. Nous faisons la conquête des terrains pour ravir les âmes des ténèbres à la lumière. Il faut que tu aies cela en toi. Il faut affronter ta fausse doctrine. Essayer de côté les blancs tout baba tomate à ma bé. Et que cela que Dieu connaisse entre dans la vérité. Dans le verset premier, il y a Esaïe 55. Je prends le verset premier d'Esaïe 55. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Donc, dans l'écriture, on peut acheter. Nous voyons dans l'écriture qu'on peut acheter. Donc, dans l'écriture, tu peux kosomba. Nous voyons dans l'écriture qu'on peut acheter. Mais n'en bon côté. Mais sans argent. Tout le monde, hein? Nous avons vu. Dans le Proverbe 11, verset 26. Nous prenons Proverbe 11, le verset 26. Nous avons vu qu'on peut vendre, mais sans recevoir. Dans 11, 26, Proverbe. Proverbe 11, 26. Tout en est un combat dans Jésus-Christ. Celui qui retient les blés est maudit du peuple. Mais la bénédiction est sur la tête de celui qui les vend. Blé, c'est l'enseignement. Le blé ici, c'est l'enseignement, bien-aimé. J'ai un enseignement que je dois vous dispenser, mais il n'y a pas moyen de le faire. Il est maudit à laquelle a mis ma bé. Parce qu'il retient les blés, il ne les donne au peuple.
Mais il faut ôter le blé. Mais il faut vendre le blé. Moté Union Soaza vendeur. Tout ministre est vendeur de blé. Maté Kaka sans argent. Mais il vend ses blés sans argent. Ate Kaka Nantela ya la foi. Il reçoit comme l'argent la foi. Moutakoko soani teya oyazo. La personne peut recevoir l'enseignement qu'il prêche lorsqu'il croit. C'est cette foi-là qui est comparable à l'argent qu'on achète l'enseignement. C'est pourquoi nous avons donné la réponse aux lacunes des autres doctrines. Verset 6e d'Apocalypse 6. Qui prennent le verset 6 d'Apocalypse 6. Oh, ah, 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 bah, so, ici on vend. Bah, teka, ta parole, t'es. On ne vend jamais la parole. Hein, tu peux s'y répondre dans Ésaïe 55, verset 1er. Mais nous avons donné la parole dans Ésaïe 55, le verset 1er. Et aussi Proverbe 11, verset 26. Et aussi dans Proverbe 11, le verset 26. Que bah, teka, ka, blé. On vend aussi le blé. Et batte kaka sans argent. Mais on le vend sans argent. Là, tu comprends. Là, nous avons compris. Et donc, la Bible est condamnée. C'est que la Bible condamne. Et ça, c'est serviteur du ventre. Et ça, c'est la kamusala pona di bumuna bango. Là, dans Philippiens 3. Là, dans Philippiens chapitre 3. Aujourd'hui, à partir du verset 14. Tu prends à partir du verset 14. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Otangina kombola Yesu. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nazui même directement en verset 17. Je prends le verset 17. Tina verset 19. Jusqu'au verset 19. Bon akotali sa oyonzamba zali ko reprocher. Pour montrer ce que le Seigneur reproche. Paul azolo baboy. Bozala ba mekoli na ngai bandeko. Et porter les regards sur ce qui marche selon les modèles que vous avez en nous. Pebomi sonabino de. Vous voyez le verset 18 de Philippiens 3. Nangina tanga yango mena. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Oui, tes alliés n'ont pas été ébellés, mais ça dit qu'au temple là, loco la banguna, copie loco la banguna et coulus y a Christ. Je vous en ai souvent parlé. Na lobe la kaya copino. Et j'en parle maintenant encore en plein. Benazo loba yango siko yo na kolelaka. Leur fin sera la perdition. Souka na bango e kozala di boum. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Je pense que nous sommes dans la malade. Je pense que nous suivons attentivement. Donc c'est que nakati na yango, c'est que dans tout cela, oyonde Bible zo reproché ba serviteur du ventre. La Bible reproche les serviteurs du ventre. Ba oyo ba utiliser parole pona moyen moko pona ba s'enrichir mais ba zombe bi sa parole. C'est qu'ils utilisent la parole. Lorsque un prédicateur la prêche, cet acte-là vendre le blé est aussi appelé comme la vente du blé. Wanana répondre. Là je réponds. La question oyo batu bazalaka na yango. À la question que les gens ont. Na wana esika. En ce qui concerne l'Apocalypse 6. Je pense que mon corps n'a pas besoin de travail. Je pense que tout un chacun de vous ici. Et Dieu bénisse. Amen. Alors ensuite, Nassimanango, Tozotali ça aussi,
Nous montrons aussi, bien aimé, la question que d'autres personnes se posent aussi en cet endroit-là, qui est comme leur argument. Batali Sakage, il montre ceci. Conteka Babiloko Oezawana, 3 mesures d'orge pour un denier, 1 mesure de blé pour un denier. Il vendre ce qui est là comme 1 mesure d'orge pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier, 1 mesure de blé pour un denier. La doctrine Moussousou Balobakaboye. D'autres doctrines disent ceci. Et ça les maquille ma cambona tant qu'il y a papoté Nakala. Il s'était passé du temps de la papauté dans le passé. Papauté à Zalagi côté, ce qu'on appelle des indulgences. La papauté vendait des indulgences. Donc, ceux qui n'ont bien d'indulgence, ils n'ont pas tant à l'égard. Papauté à Zalagi côté, d'indulgence. Papauté à Zalagi côté, mawa. Donc, c'est que. Au moins, nous recevons la carte prépayée. Vous voyez comment tu achètes la carte crédit aux huit forfaits il y a un mois. Et tu reçois les forfaits de mégabytes d'un mois. Benga kanae. Appelle comme tu veux. Alors, papoté. Maintenant, la papoté. Azala qui peut n'allonger à côté kaka carte pour soumoukaneti. Un mois. Nous recevons il y a un mois. Elle avait aussi la manière de vendre les indulgences pour pêcher même pendant un mois. L'autre peut acheter même l'indulgence de celui qui n'a pas assez d'argent. Il achète le pardon du péché d'une semaine. Il va pêcher comme il veut pendant une semaine. Il a sa carte d'indulgence. Et ça, les mains, cela s'est passé avec la papauté. Na Vatican. Catholique, l'église catholique le faisait. Maintenant, d'autres personnes prennent ces choses-là. Bâti en haut un troisième seau. Et viennent maintenant les placer dans le troisième seau. Maintenant, je pose la question. Trois mesures, les amis. C'est quoi trois mesures d'orge? Une mesure de blé, Zani. Et c'est quoi une mesure de blé? Bolongo la bobimisi en okaka, dege matubazako teka masu, mufatika zako teka masu. Maintenant, comme vous l'avez montré comme la vente des indulgences par l'église catholique, bon, donc on tient à biso, sept mesures de blé. Maintenant, nous aussi, on peut dire sept mesures de blé. Ou bien, on tient à biso, 10 mesures d'or. Ou bien nous mettons 10 mesures d'orge. Mais pour la nuit, tu vas changer. Maintenant, pourquoi nous n'aurons pas à les changer? Tu vas dire qu'on a commandé 3 mesures d'orge. Nous allons laisser tel qu'il est écrit 3 mesures d'orge. Pour un denier. Pour un denier. Une mesure de blé. Une mesure de blé. Pour un denier. Toujours pour un denier. Pour ça significatif. Parce que toutes ces choses-là ont un sens dans les Écritures. Moyen ou ma chiffre, Wana. Il n'y a pas moyen que tu prennes ce chiffre-là. Au Kangisango, tant que Vatican, ça va être une indulgence. Que tu puisses le marier du temps où le Vatican vendait le pardon des péchés. Et qu'aussi, Pate. Cela ne va pas tenir. Pour d'abord, nous devons proclamer Yango Aza au milieu du trône. Parce que celui qui proclame cette parole est au milieu du trône. Ezali Satan. Ce n'est pas Satan le diable. C'est l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Ezali moi n'a pas dit à ta mère sous Christ. Mais azo proclamé parole. C'est lui qui proclame cette parole. Oyonion sur Ezali, Ezali kolongola argument. Toutes ces choses, nous donnons des arguments. Il y a ma doctrine, Jésus. Des autres doctrines. C'est ça le rôle, il y a ministère. Il y a côté Moussala, il y a l'automne. À préserver l'église devant ma foi, il y a ma doctrine. Il y a comment l'église, il y a l'imposé, il y a l'ipépé, il y a ma thé, il y a ma paix, il y a mon kili. Il y a mon être dans ça. Et c'est ce que nous faisons maintenant là. Maintenant. Totalisa qui dans Proverbe 16, verset 4. Maintenant, nous avions montré dans Proverbe 16, le verset 4. Dieu a fait tout pour un but. Ça met à Salama et Mansopona Tina. Et l'on connaît, nous sommes
Zambasani. Quand tu vois Dieu faire une chose, Azana pensée naï. Le Seigneur a une pensée dans cette chose-là. Ecclésiaste 8, verset 1er. Ecclésiaste 8, verset 1er. Et le dit, qui est sage? N'a-t-il pas sali mon ton aboignant? Maintenant on explique la sagesse. Qui connaît l'explication des choses? Donc la sagesse c'est l'explication des choses. Donc la sagesse c'est l'explication des choses. Donc il faut comprendre sa sagesse et l'écriture. Il faut que nous puissions démontrer la sagesse de cette écriture. Alors dans les séances passées, nous avions dit que dans les écritures saintes, orge, l'orge, et ça la blé, que ce soit le blé, on en fait le pain physiquement, oui. Physiquement comme ça dans la nature. Et ça, pour moi, il y a là. Donc c'est un grain de champ. Oh, oui, oui. On sème, peso qui est comme lui, et si ça germe, bah, pour qui, hein? On le moissonne. On cherche comment le broyer. Et peser farine. Et pour donner la farine. Et on va faire du pain. Physiquement comme ça. Et Zala qui kosonga pona mapa na Israël. Et cela aidait pour faire le pain en Israël. Donc l'orge. Blé. Le blé. Mais. Mais ce qui est le blé a plus de valeur que l'orge. C'est naturel. Maintenant le Seigneur a pris la manière de faire des hommes. Et le Seigneur l'a amené dans la prophétie de la parole. Après trois mesures d'orge. Le Seigneur a présenté trois mesures d'orge. Et ils ont fait ça un denier. Et cela donne un denier. Et il a dit une mesure de blé. Et il a dit une mesure de blé. Et ils ont fait ça un denier. Donne un denier. Toluka qui t'en comprendre un denier dans les écritures saintes. Nous avions cherché à comprendre un denier dans les écritures saintes. Tozoa qui Matthieu 20. Nous avions pris Matthieu chapitre 20. Les ouvriers qui étaient venus aux premières heures. Et les ouvriers qui étaient venus à la dernière heure. 1 Jean 2. 1 Jean 2 dit ceci. Dans autant 1 Jean chapitre 2. Nous lisons 1 Jean chapitre 2. Verset 18. Le verset 18. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Natangi na kombo na Jésus Christ. Petits enfants. Bana mikie. Nazana 1 Jean 2 verset 18. Je suis dans 1 Jean 2 verset 18. Petits enfants. Bana mikie. C'est la dernière heure. Ezali tango ya suka. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, le kolabino moyoka ki motele menimoko ya Christ azali koya. Il y a maintenant plusieurs antichrists. Lelo ezali na batele menyebele. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Lelo ko wana neto zali ko talisa ke zali ngonga suka. Donc ngonga ya suka. Donc la dernière heure. Oyo ezali na Matthieu 20. Qui est dans Matthieu chapitre 20. Naba frère Jean et les frères Jean les apôtres sont à l'intérieur. Ba Pierre, les Pierre, l'église à Jérusalem, l'église de Jérusalem. Nabiso, nous autres. Tozalana une heure. Nous n'avons qu'une heure. Par rapport à Matthieu 20. Par rapport à Matthieu chapitre 20. Autant du verset 10e. Lisez le verset 10. Sommes à la lecture. Si tu fais la lecture. À partir du verset 1er. À partir du verset 10. Dina verset 10e. Jusqu'au verset 10. Nazotanga yango ya Matthieu 20. Je le lis au nom de Jésus-Christ. Car le royaume des cieux, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison. Oui,
bokonzi ya makolo ekokani na mokolo na komoko ki sorti dès le matin oya bimi na tongo mpenza afin de louer des ouvriers pour sa vie mpona koswa basali ya mpona bilangane ya vigno il convint avec d'un denier ayokani na bango afuta bango dinar moko par jour na mokolo et ils envoya à sa vigne pe atindi bango basikende kosala mosala na vigno na il sortit vers la troisième heure abimi na ngonga misato et il en vit d'autres pe amoni basali misusu il était sur la place sans rien faire oyo bafandaki na nzela bazosala eloko te il a dit ayebisi bango allez aussi à ma vigne bokende pe na elangana na et je vous donnerai ce qui sera raisonnable pe na kopesa bino oyo ekoki et il sortit de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième heure et il fit de même étant sorti à la onzième heure il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il lui répondit ce que personne ne nous a loué. Allez aussi à ma vie. L'air dit-il. Quand le soir est venu, le maître de la vie dit à son intendant appelle les ouvriers et paye leur les salaires en allant de dernier au premier. C'est de la 11e heure à ta 11e heure. Et ça va ta dernière heure. C'est de la 11e heure, sont ceux de la dernière heure. Et Jean l'a dit, tu as déjà la dernière. Et Jean a dit que nous sommes à la dernière heure. Et récit chacun un dernier. Puis, mon tour, un dernier. Les premiers vers ensuite. Croyant recevoir davantage. Mais ils réussirent aussi chacun un délire. Donc, Basali Nyon sont divisés en deux groupes. Donc, tous les ouvriers des différentes sœurs ont été divisés en deux groupes. Baoya Liboso, avec un mot, ceux de premières heures. Donc, le premier groupe, là, on les appelait ceux de premières heures. Maintenant, ils sont au bas de l'apôtre. Maintenant, nous, en commençant par les apôtres, il est l'autre, on est dans la mévoya. Jusqu'à ce que viendra l'enlèvement, dans la dernière heure. Nous sommes les ouvriers de la dernière heure. Ou bien, onzième heure. Ou bien de la onzième heure. Et total dit 1 Jean 2. Et nous avions lu 1 Jean chapitre 2. Verset 18. Le verset 18. Jean confirmé. Petits enfants. Bananiké. C'est la dernière. Et Zali Kongaya Souka. Et Dieu bénisse. Ça va quoi pour la bino. Donc, bah, ta dernière heure. Donc, ceux de la dernière heure. Et ça, bah, oh, bah, ça n'est dit, n'a moment, oh, oh, y a grâce. Oh, et puis ça n'est pas l'église. Sans cela, du temps et la grâce qui est donnée à l'église. Salaire, les amis. C'est quoi leur salaire? Un demi. Dina, mon cocata. Bah, oh, bah, ça qui est avant. Ceux-là qui étaient avant. Salaire, les amis. C'est quoi leur salaire? Un demi. Dina, mon cocata. Il faut y aller aussi. Tu dois savoir aussi, bien-aimé. Naélo béni. Dans les langages. Zambé alobaka. Pe azoli bonana makoma nousou. Le Seigneur parle et interprète sa parole par une autre écriture. Deux étapes y'a ma ouvrier oil. Les deux étapes de ces ouvriers des différentes heures. Jésus a répété mon à Jean 4. Jésus l'a répété dans Jean chapitre 4. Kounane tozo mona. Définition, il y a un dernier. C'est là-bas que nous voyons la définition ou la signification d'un dernier. Jean 4. Jean chapitre 4. Dans le total, il y a Jean 4. Lorsque nous avons regardé Jean 4. Alors Jésus a zotali sa babilanga, batoubalona qui. Ici Jésus parle des gens que les gens
avaient semé ou ils avaient trempé. Et il montre d'autres qui sont venus moissonner. A présenté alors aussi deux groupes. Ici, Jésus aussi a présenté deux groupes d'ouvriers. De la même manière qu'il avait fait dans Matthieu 20. Mais dans Matthieu 20. Mais dans Matthieu chapitre 20. Premier groupe. Le premier groupe. On leur a donné un denier. Dernier groupe pour la 11e heure. Le dernier groupe de la 11e heure. A reçu aussi un denier. A reçu aussi un denier. Maintenant, il apporte la parole de Matthieu 20 dans Jean 4. Alors, à l'obin, à l'olenge, premier groupe, les ont des ballons. Ici, il parle du premier groupe comme ceux-là qui ont semé. Deuxième groupe, les abats, oh, kombuka. Et le deuxième groupe, comme ceux-là qui viennent moissonner dans les champs de ceux qui ont semé. Alors, il dit ici dans Jean 4, le verset 36. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Celui qui moissonne, oh, yazali kombuka, reçoit un salaire. Azo soit les fouti. Nazana, verset 36 de Jean 4. Je suis au verset 36 de Jean 4. Et amasse des fruits pour la vie éternelle. Donc, dernier awa. Donc, ici, le dernier, c'est la vie éternelle. Et ça lit des pomoi yaseko. Et Dieu bénisse. Amen. Yamone bozala salaire. Et c'est ce qui sera comme le salaire. Maintenant, Balobi. Maintenant, on dit. Afin que celui qui saint. Oui, que mon Dieu a sali colonne. Nazaga, na verset 36 à Jean 4. Et celui qui moissonne, Pego ya sali kobuka, se réjouit ensemble. Passe pela bango iso et longo. Donc, à répéter, na yaga, Matthieu 20. Donc, Jésus n'a répété que la parabole de Matthieu 20. Mais place, il y a un denier. Mais à la place d'un denier, à l'imbolé, l'imiso, un denier. Jésus nous l'a interprété. Abengiango, Jésus l'appelait vie éternelle. Nous nous faisons bien entendre. Maintenant, un homme riche est venu poser Jésus question. Maintenant, un homme riche était venu interroger Jésus. Elle dit Jésus. Il dit à Jésus, Nakosa la ni ni pona zoa vie. Que ferai-je pour avoir la vie éternelle? Jésus-Christ a posé. Jésus-Christ lui a posé la question. Autant la canine la loi. Qu'il dit dans le commandement, dans la loi. Abandi Koloba. Il a commencé à se. Jésus a donné. Jésus a dit. Fa. Kené. Fais les mêmes. Ça la n'est pas l'homme. Tu auras la vie. Mais au cours de la commence. Elle a dit, ah Seigneur, n'a sali, mais. Mine à moi, je vous en ai. J'ai déjà tout fait, j'ai observé tous ces commandements depuis ma jeunesse. Le Seigneur a allié et il est mort. Mais quand le Seigneur a allié et a lié. Alors dit, va tout ce que tu as. Que ne te gagnons sous un amour. Et donc sera au beau. Que quel amour, bateau, babola. Et ça n'a pas de traîne pour sous. Il y a d'autres doctrines bien-aimées. Vous allez voir, quand un riche croit la parole, il vend tout ce qu'il a. Les paroles de Jésus sont des paraboles. C'est là où beaucoup souffrent, ont des difficultés profondes. Quand Jésus a dit, okende kobati sana kombo ya tata ya mama pe ya bwana plito na molimo sana. Allez baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Ba église salemi na verset 1. Les églises ont été fondées dans, par rapport à ces versets là. Or complément ils ont dans le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est fait. Pierre à comprendre. Celui du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont kombo moko. C'est un seul nom. C'est le nom de Jésus-Christ. De comment il y a Jésus-Christ. Dans le bina acte 2. C'est pourquoi il a dit dans acte 2. Répentez-vous. Convertissez-vous. Ainsi, vous allez baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous recevez les dons du Saint-Esprit qui avaient été promis. C'est vraiment la parole. Mais pour toi, bon, à Bougine le Béliakolo.
Mais vous allez voir les gens s'égarer dans les lacunes. Le Seigneur peut être l'entrée de l'enfer. Le Père plus grand que moi. Tata Zali Monene Kolekanga. Maintenant, ceux-là qui refusent que Jésus est le Père éternel, ils prennent maintenant cet écrit. Jésus, ministère, n'a pas créé. Troupeau à Israël. Jésus dans son ministère créait des trous pour Israël. Pour Israël à quoi? Pour qu'Israël puisse y tomber. C'est ça sa mission. C'était ça sa mission. Parce que si Israël n'était pas tombé, nous ne serions pas non plus sauvés. Si Vasti avait obéi à l'ordre du roi Assyrus, mais Esther ne serait pas épousée. Est-ce qu'il faut que il fallait que Esther puisse se rendre grâce à Dieu parce que Vasti, la reine, n'avait pas obéi. Donc la désobéissance de Vasti était toute une richesse pour Esther. Sephora aussi de son côté. Il faut qu'il doit rendre grâce au Seigneur. L'hébreu là qui s'était opposé à Moïse en lui disant Nani a-t-il mon conti, pe mon kati makamo kati na. Oui, c'est vrai que Moïse a qui ma maman. Qui avait fait que Moïse puisse le fuir? Ah, Moutouana Zalata béni. Ah, que cet homme là soit même béni. Ou soit qui m'a télémélagi Moïse. Parce que s'il n'était pas opposé à Moïse, mais Moïse ne m'aurait pas non plus épousé. Désobéissance à mon sous. Donc la désobéissance de l'autre et comme une richesse pour devient la richesse de l'autre. Il fallait que Israël a rejeté le Messie pour yo aux parole. Il fallait qu'Israël puisse rejeter le Messie en fait que toi tu reçoives la parole. Et c'est pourquoi Jésus a zakoloba toujours en parabole. Yamona Yesu asala ki koloba kaka na masese. Nati n'était pas comprendre tel. Dans le but qu'il n'arrive pas à comprendre ce qu'il disait. Maintenant, dans une langue bien dans terme, mais moi aussi simple. Maintenant, je vous avais pris des termes si simples. La talisa ki binoboy. Je vous avais montré ceci. La parole de Dieu. L'iloba yanzambe. Oyo zamba pesa ki epa ya ma prophète. Que le Seigneur avait donné au prophète. Oyo Jésus-Christ yemo kwa zoloba na Luc 24. Que Jésus-Christ lui-même dit dans Luc 24. Alobi eloba mange pa ya na loi Moïse na psaume na ba prophète. Il est écrit dans la loi de Moïse, dans les psaumes et les prophètes. Azotali sango na Matthieu. Chapitre 13. Jésus-Christ le fait voir dans Matthieu chapitre 13. Matthieu 13. Matthieu chapitre 13. Na verset 33. Au verset 33. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain. Une femme a pris et mis dans trois mesures de farine. Jusqu'à ce que la pâte soit levée. Donc, le royaume des cieux, c'est du levain entre les mains d'une femme. Moi si Atali Saka aussi explication à Maloba et Isaac. La femme représente aussi l'explication des paroles du père Isaac. Isaac a émis ça qui est Saoul. Isaac a venu à son fils. Va me chasser un gibier afin que je mange et que mon âme. Mais Rebecca yo qui le père. Mais Rebecca a entendu le père. Son mari Isaac a comprendre que Jacob yaka. Il a compris que Jacob vient. Va chercher des chevaux derrière la maison parmi le troupeau. Il a interprété la parole du Père. Donc Azalaki comme la faiblesse d'Isaac. Donc Rebecca était comme la faiblesse au Taou Isaac. Parce que Jésus-Christ est la faiblesse de
Dieu. Quand Ayaka kopikisa, Ayaka comme une poule à protéger ses poussins. Lorsqu'il vient pour sauver, il vient comme une poule. Ce soit moi si pour na kopomba banana ye. C'est Matthieu 23, verset 37. C'est Matthieu 23, le verset 37. Alors cette femme-là. Maintenant cette femme. Ndeyo. C'est elle. Jésus-Christ. Jésus-Christ. A Simbi levain. Il a du levain dans sa levure. La levure. Follow. Azora na malam. Suivez attentivement. Azora na boan. Où est-ce qu'elle a mis? Azora kokuta 3 mesures. Elle vient trouver 3 mesures de farine. Tangwaye. Lorsqu'elle vient. Anna levain. Elle a du levain dans sa levure. Mais déjà kokuti 3 mesures. Mais déjà elle a trouvé 3 mesures de farine. Trois mesures, voilà, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. Et ces trois mesures représentent la loi, le psaume et le prophète. Là où on a parlé de Christ. Ici, quand on va louper la Christ. Maintenant, il faut jouer les vies. Maintenant, elle doit prendre ses levains. A tiapokatuana et fongwa. Et le mettre pour que cette pâte-là s'élève. Maintenant, tant que pâte est fongwa. Maintenant, lorsque cette pâte-là s'élèvera, c'est ça le royaume de Dieu. Yamone Bokunza Makolo Yanzambe. Donc c'est que. C'est-à-dire. Trois mesures à farine des ans, un livre n'est pas prophète. Donc ces trois mesures de farine sont tous les livres des prophètes. Maintenant, Bokunza Yanzambe. Maintenant, le royaume de Dieu. Ezate Mutazoloba. Ce n'est pas Bokunza Yanzambe. Le royaume de Dieu est là. Bokunza Yanzambe. Le royaume de Dieu. Mingi mingi na bazar. Beaucoup plus dans les marchés. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Et puis c'est beaucoup de gens, mais. Dis-lui le royaume de Dieu. Hein? Il y a une femme. Et ça, moi, c'est mon corps. Azana Lévi. Qui a dit l'événement dans sa main. Tant à Zoya. Lorsqu'elle vient. Elle trouve déjà 3 mesures. Elle trouve déjà 3 mesures. Maintenant, ça l'est dit. Maintenant, qu'est-ce qu'elle dit? Azui Lévi. Elle prend ses levains. A tient à 3 mesures. Elle les met dans les 3 mesures. Ti, Amosera, ti, 3 mesures, on est vime, mais fou. Et elle attendra jusqu'à ce que la pâte soit levée. C'est ça l'erreur. Ne beaucoup de temps, mais yo gaga. Qui a péché? Jésus. Jésus Christ, yé mon corps. Jésus. Jésus Christ. Donc c'est que l'écriture à ma prophète. Donc, les écritures de prophète. Elles ont 3 mesures à farine. C'est 3 mesures de farine. Yangonde tangoye ayekosana musala ayokutango. C'est pourquoi lorsqu'il est venu travailler, il a trouvé ces 3 mesures de farine. Mais il faut appeler ça les villes où il y a le Saint-Esprit. Mais il doit donner le levain qui est le Saint-Esprit. Dans Matthieu 23. Dans Matthieu chapitre 23. Abengaka levir comme enseignement ya mabe ya ba pharisiens. On appelle aussi les levir comme le faux enseignement des pharisiens. Zamba lobaka de plusieurs manières na Bible. Le Seigneur parle de plusieurs manières dans les Écritures. Levir les alaga à tes péchés. Les levain, ce n'est pas seulement les péchés que tu connais. Levir. Le levain. Dans Matthieu 23, ils ont dit ça, faux enseignement. Ça représente aussi dans Matthieu 23 le faux enseignement. Et ma doctrine à ma belle. Comme les fausses doctrines du monde. Au Bengamo aussi, dit levain. Tu vas les appeler aussi les levains. Nettilité à moi si côté. Comme l'enseignement du ministère de la femme. Et ça dit levain. Et ça foulou. Wana tokolo bagé. Là, nous dirons. Pendant fête, il y a pain sans levain. Pendant la fête des pains sans levain. Bakuta nanda kunayo ne virte. On ne trouve pas du levain dans ta maison. Là, les vivres, voilà. Et là, c'est les vivres dans ces contextes. Les amis, koba kisa makanisi na yo na makoma miyazambe. Là, c'est ajouter ton propre raisonnement dans les écritures. Là, tu seras retranché. Wana bakolongo la yo, okokota lo la te. Na kati na monde, me baso le velape les vivres, na 1 Corinthiens 5. Et dans le même ordre d'idée, on parle du levain dans 1 Corinthiens 5. Verset 7 na 8. Le verset 7 et 8. Les vins à malice. Les vins fous lui a maillé les mabé. Donc, comme les péchés. Le col à ma soumou. Et ça fait les vins. Donc, c'est aussi le levain. Oh, l'ongola ma soumou na vina. Que tu puisses ôter le péché. Na l'ongola ma soumou na pomo inanga. Que tu puisses ôter le péché dans ta vie. Nazara lipa sans les vins. Que je sois un pain sans les vins. Bon, c'est dans un autre contexte. Maintenant, awa levi. Maintenant, ici dans Matthieu 13, le levain. Et Gotali, ça, Saint-Esprit. Représente le Saint-Esprit de Dieu. Qui ouvre 3 mesures à farine. Oya vimbi sakamutango misato ya farine.
Donc Lévi, Joseph. Donc c'est Lévi là qui est le Saint-Esprit peut voir Joseph. Joseph en prison. Joseph en prison. Pas ma chef mi balai. Et deux chefs. Il y a Pharaon. Et Pharaon. Ma tosite. Ont désobéi à leur maître. Akangi ba mona prison mon na Joseph. Pharaon les a emprisonnés dans la même prison que Joseph. Mon quoi chef y a méchanceté. L'un était le chef des échansons. Donc ba oyo ba servaka vigno. Mon conti ya ba oyo ba pesaka vigno. Mon sous azalaki mon conti ya ba oyo ba salaka mapa. Et l'autre est panitier. Les chefs du département des panissiers. Ba conti prison mon kona Joseph. Ils ont été emprisonnés dans la même prison que Joseph. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Zambia lo bakana lo lenge mon conti. Dans leur couche. Lorsque les gens sont couchés dans leur couche, Dieu donne les anges. Ça vient appeler sa cadeau. À l'autre ici, ma chef, mon ami, il est en prison. Il a donné des anges à ces deux chefs-là qui étaient en prison. Chef à panitier. Mon conseil est basé à la cama. Un chef de chanson. Mais mon conseil est basé à la vigno. Bazaraïka ka panitier des chansons. Ils n'étaient pas seulement des panitiers des chansons. Bazaraïka ma chef. Ils étaient des chefs. Cela venait dans service na bango. Cela venait dans leur département. Bazaraïka moutou. Donc ils étaient comme la tête. Na département ne tient ma mapa. Donc dans les départements comme des panitiers. Moutou ya ma mapa. Donc la tête. Il est dans contact à prison. C'est lui qui était entrer en prison. À côté à vous servir vin. Du côté du service de vin. Moutounango. C'était leur tête. Y a mon égo dans la prison. Qui était emprisonné. Jésus a dit. Jésus a dit. Autant la Bible. Vous lisez ces choses. Ça parle de moi. Il obéit la canne à tina nanga Jésus. Sur le repas du Seigneur. Mokoloya elamo. A tomboli lipa. Il a levé le pain. A le mis le pain. Il a dit ce pain. C'est mon corps. Ils ont zonto yanga. Dans la tombe là qui vit. Lorsqu'il a levé le vin, il a dit vin. Il a dit c'est mon sang. C'est mon sang. Amen. Donc c'est que chef à panetier, chef et chanson, Bazo se retrouvé dans notre mort à Jésus. Donc le chef de panetier et celui des chansons ne se retrouve que dans un seul corps qui est celui de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ah. C'est ça. Donc, ndenge bazaki na prison. Donc, comme ils étaient en prison, bazalai kotali sa Joseph yemoko. Donc, ces deux hommes-là ne représentaient que Joseph lui-même. Bozola na malam. Vous suivez attentivement. Parce que. Parce que. Agneau avant se sacrifier. Parce que avant que l'agneau ne soit sacrifié. Baliya kamona au dixième jour. On doit d'abord les lier plusieurs. Vous en emprisonner. L'agneau doit être emprisonné. Bible zala kito. La Bible est succulente. Na taya Jérémie. Du temps de Jérémie. Na Jérémie 32. Dans Jérémie 32. Jérémie Azalaki na cour et en prison. Comme prisonnier. Était dans la cour royale comme prisonnier. Mazalaki innocent, Azalaki m'a bêté. Mais il était innocent, il n'avait fait aucun mal. Mais Jérémie en prison. Mais Jérémie en prison. Moi na no konaye. Le fils de son oncle. Il avait vendu son champ. Mais il avait besoin que son champ lui soit retourné. Maluki proche parent. Mais il a cherché un proche parent dans sa parent rédempteur. Mosikoli ne connaît Mosikoli. Nakata famille. Dans toute la famille. À moni qui fois à la prisonnière. Il a trouvé que ce ne doit être que Jérémie le prisonnier. Alors il est venu auprès de Jésus. Il lui a dit vraiment, j'ai mon champ à Anatot. Il faut son bambou. Il faut que tu l'achètes. Il faut que tu me les rachètes. Il était prisonnier. Asala ki mokangami. Jésus n'est pas qui. Jésus tel qu'il était venu. La loi est liée à qui Jésus. Il était lié par la loi de Moïse. Yango et prédit, c'est le dit. C'est pourquoi il prédit, c'est dit. Tinan voulu ni sacrifice ni holocauste. Yo lingam bekate, atako mekaba tumba la mobima. Il m'a formé un corps. Yo salanga zoto. Oh Dieu. Oh Nzambe. Dans les plots. Nakatia Boku. Il est question de vous. Makamokune tali nenga. Donc à Zoloba. Donc il dit. N'a pas que ma gomomanio. N'a pas qu'on va y moller nanio. Il est question de vous. Et tali nenga. Eh bien, un jour, la fête d'expiation. Du jour de la fête. Par contre, ma bouc. On va amener le bouc. Dans les rouleaux. Dans ma il est question de moi. Tabawana Ninga. Vous aurez un malam. Amen. Ah.
Donc, on me cherche. Donc, tous les sacrifices qu'on faisait là, on me cherche. C'est ça la prophétie. Les jours où on était venu pour la il y avait les guides de ceux qui devaient livrer Jésus. Et ça qui ces guides-là, Yende tomona ki ye na Jean 13. C'est lui que nous avons vu dans Jean 13. Na l'ère à Saint-Saint. Du temps de la Sainte-Seine. Tango zamba pesa ki ye pain trempé. Lorsque le Seigneur lui avait donné le pain trempé. L'écriture est lobby. Il y combien lobby? Satan entra. Satan a kota ki na katia Judas. Et comment est-ce que Judas soit? Vous voyez Judas? Satan ya ki vraiment na plénitude. Donc c'était Satan. Na bonyo sona ye meke. Menas a dévié na boutou. Maintenant il a dévié nuitamment. La nuit. Nuitamment. Pour chercher à livrer Jésus. Pour na koluka koteka Jésus Christ. Et ba yena ba flambeau na bango. Et ils sont venus avec leurs flambeaux. Yenda zala ki legedi. Yenda zala ki kokamba matuana. Batunyo sona bayaki. Tous ces gens-là qui étaient Bafandana Jésus 33 ans. Ils avaient demeuré 33 ans avec le Christ. Mais ils n'avaient pas pu distinguer que c'était lui Jésus. Il fallait les guides. Et c'est lui-là qui m'a cambi mon corps. Possédé par Satan. Aïe avec son flambeau. Avec son équipe. Alors c'est lui qui beaucoup mona qui n'a baisé. Oh y en a coupé ça l'ipuébo. C'est lui Jésus. Baiser à Judas c'est un faux enseignement. Les baisers de Judas c'est le faux enseignement. La fausse doctrine. La fausse doctrine. Apparemment c'est comme si il aimait Jésus. Apparemment c'est comme s'il aime le Seigneur. Mais azoté qu'à Jésus. Mais il est trahi, il est libre. Na moi petite lumière na moi flambeau. Avec sa petite lumière de flambeau, comme si lumière azolukaye ba Jésus. C'est comme si mais pour abomander. À connaître Jésus mais pour le tuer, le livrer, le trahir. Na moi ba doctrine théologie. Avec sa petite doctrine là de théologie. Encadrement na ye nion zona moi. C'est encadré. Moi flambeau na ye. C'est flambeau les affermissements. Mais pour na ko livrer Jésus. Mais pour livrer Jésus Christ. Il était le guide. Asala qui angon nuitamment. Il avait fait de nuit. Dans le noir. Na molili. Tant que vous voulez un cheval noir, tu remontes à ma grand-mère. Lorsque nous parlerons sur le cheval noir, on verra beaucoup de choses. Mais il n'y a pas d'abord que. Mais sache d'abord, bien-aimé. Trois mesures d'orge. Et Zotali Samakoma mignon sur la sacole. Représente toutes les écritures des prophètes. Maintenant, ce qui. Maintenant, si tu appliques toutes ces écritures sans en retrancher un iota, ces écritures-là vont te donner un denier. Maintenant, du temps de la grâce qui est. Dernière heure, à la dernière heure, blé, le blé que nous avons. Si tu ne retranches rien de tout ce que les apôtres ont dit. Et cela te donnera aussi un denier. Vous en avez, madame? Suivez attentivement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moteki, le vendeur, on lui dit lorsque tu vendras, ne fais pas du mal à l'huile. Ne fais pas le mal non plus au vin. Il faut chercher à savoir c'est quoi de l'huile. Un jandé lobby. Un jandé dit ceci. Verset 19. Un jandé, le verset 19. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Utangina kombo Jésus Christ. Nabadi botanga yango. Je commence à le lire. L'écriture est ici, oui, sur vous. L'écriture nous dit ceci. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient point de notre. Bango ba bima katikati na biso me basalaka ya biso te. Car s'ils étaient de notre, oui, de ceux qui basalaka ya biso,
il serait demeuré avec nous. Balinda kiba pika elongo katikati na biso. Mais cela est arrivé afin qu'il fît manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Maintenant, dans le verset 21, maintenant, je prends le verset 20. Il y a 1 Jean 2. D'un Jean chapitre 2. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Et Dieu bénisse. Amen. Donc, l'onction enseigne. Verset 27. Le verset 27. Toujours à 1 Jean 2. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Ponabino et Pakwato Molimo Santu Bosui et Zalikatinabino, Pemozali Naposa Tebate Abino. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, Kasiro Kola et Pakwato Molimo Santu Nezote Abino, et qu'elle est véritable, Pé Pakoyamo Zali Solo, et qu'elle n'est point un mensonge, Pézali Lokuta Te. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Maintenant, le vin. Je vais en parler une fois pour toutes et demain on va le répondre. Les seigneurs ont présenté le vin comme l'alliance. Les seigneurs présentent le vin comme l'alliance. Dans Matthieu 26, verset 26, 27. Dans Matthieu 26, le verset 26, 27. Dans la tombe là qui est le vin. Lorsqu'il avait levé le vin. Attardissant aussi comme l'alliance. Il a montré comme l'alliance. Dans Jean 2. Dans Jean chapitre 2. Dans fête à Cana. Dans les noces qui étaient à Cana. La mère de Jésus était avant Jésus. Maman a Yesu aya qui ne loulouana liboso Yesu akoma. Il y avait le vin en fait. Et Zala qui n'a vigne ne loulou. Quand Jésus aye. Lorsque Jésus est venu, après le vin manqua. On dit le vin ayant manqué. Maman a Jésus a poussé les plats Jésus Zala. Et la mère de Jésus s'est approchée de Jésus. Alors ils n'ont plus de vin. Elle a dit qu'ils n'ont pas ça les sous la vigne te akoma là. Jésus a lobé. Et Jésus a dit, femme, moi si les cambonines les allaient entre yo nangai. Qui a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Bonga nangai et yei na noté. Donc tant que Marie a poussé na ki pembe ni na ye a bétélé li solo ya vin. Lorsque Marie s'est approchée de lui et lui a parlé au sujet du vin, cela veut dire que yo lobe ke fo yo kufa. Cela veut dire que Marie lui disait en d'autres la cage, il faut que tu meurs, tu donnes le sang. Donc faut pas zo makila na yo ya mon de vin. Il faut qu'on puisse se prendre ton sang et c'est ça le vin. C'est pourquoi répondre qu'il y a des camionnets d'ingénieurs. C'est pour parce que tant qu'on a mal à ne pas quitter, donc tant qu'on a mal à couper ça, maquila. C'est pourquoi Jésus lui avait répondu, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas venue, celle de donner le sang. Alors il faut y babouiller. Alors tu dois savoir ceci. Souffrance y a Christ à la croix. Les souffrances du Christ à la croix et talisaka faiblesse de Dieu représente la faiblesse tombe au taou pour les mouillants. Donc et talisaka comme femme. Donc comme une femme. C'est ça 2 Corinthiens 13 verset 4. C'est ça 2 Corinthiens 13 le verset 4. Il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Christo abakama nekulu sur l'icola au taou naie. La faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. La faiblesse là, c'est Christ lève la salade. Et sa femme. Il représente une femme. Maintenant, 1 Pierre 1, verset 10 à 12. Maintenant, 1 Pierre 1, le verset 10 à 12. Et le dit, les prophètes qui ont prophétisé toucha la grâce qui vous était réservée. Basakolio basakola kakosi bakolubo et bomba makapona bino. Enfin, de ces objets, attala ki de ces sali, l'objet de leur recherche. Basala ki na lobikwana et loko na bango ya koluka luka. Voulant sonder l'époque et les circonstances marqué par l'esprit de Christ qui était en eux. Koluka na koyeba
batango pe makambo na nzela molimo santo ezaki kati na bango. Donc souffrance Christ, donc, le souffrance de Christ, ça n'a qu'un prophète, était dans la vie de prophète. En souffrance wana, ces souffrances là, femme, c'était comme la femme. Parce que nous avons expliqué que Marie a zalagi na fête avant Jésus. Parce que j'explique que Marie avait précédé Jésus dans cette fête là. Il y a Jean 2. Les noces de Cana. Marie wana, cette Marie là. Exact. Tous les prophètes représentent tous les prophètes de l'ancienne alliance qui ont parlé des souffrances de Christ. Ce sont eux qui demandaient qu'il puisse verser son sang. Dieu bénisse. Amen. C'est tout un enseignement. Et ça lit le terme. Mais c'est une fête où Masanga et Zalaki. Mais c'est une fête où il y avait du vin. Après Masanga Moussou et Obakisama. Et après un autre vin s'est rajouté. Faites attention. Il faut faire très attention. Masanga et Jésus. Sala. Les vins que Jésus avait donné. Na fête wana ba mena. Dans cette fête là, personne ne l'avait bu. Na écriture. Selon l'écriture de Dieu. Mais ba bouta. Mais on avait seulement goûté à ça. Yota. Lisons-le. C'est le verset de la Bible. Jean chapitre 2. Yoka nengi balobi. Écoute quand on dit. À partir du verset 8. À partir du verset 8. J'ai le nom de Jésus-Christ. Puisez maintenant l'air, dit-il. Et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportaient. Quand l'ordonnateur du repas, il goûtait l'eau changée en vin. Ne sachant d'où venait ce vin. Tandis que les serviteurs qui avait puisé l'eau, le savait bien. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin. Yo mobali ali balo bomba ki vinyo jusqu'à présent. Kino tango yo. Quelle fille à Cana en Galilée? Bongonde zala ki na mboka Cana na Galilée. Le premier miracle que fit Jésus. Bikamo ya liboso o Yesu asala. Il manifesta sa gloire. Atalisa ki mbona ye. Et ses disciples crièrent. Me ba ye kolina ye ba ntimela ki ye. Verso ba mena masanga na bana Jésus asala ki zala kate. Il n'y a pas un verset où on dit qu'ils avaient bu ces vins là dans ces noces de Cana. Montre-moi ces versets. Ces versets n'existent pas. Pourquoi la chose est ainsi? Ceux-là qui avaient goûté ces vins, donc c'était eux qui étaient comme les ordonnateurs. Donc les années du sacrificateur. Donc c'est comme les sacrificateurs. Les Nicodèmes, les docteurs. Maintenant écoute comment est-ce qu'ils avaient goûté ces vins. Il est venu de nuit voir Jésus-Christ. Seigneur, N'golo. Omoninenganaya. Tu vois comme moi je suis venu vers toi. C'est comment Nagana mon bonheur. Mais moi c'est ma. Même ceux-là qui t'appellent prince des démons là-bas, nous savons nous tous que vous adoptez le dépense. Parce que nous savons. Donc, Nangayo Naye, et moi qui suis venu la nuit, même mes amis là-bas qui s'opposent à toi pendant le jour, aussi ton goût ça. Nous, on avait déjà goûté ton vin. Nous savons. Ils soignons ce bélier. Et tiens, un docteur bénédicte. Vous allez, Moulakisot. Est-ce que ma sacrificateur, Rouana? Est-ce que ce sacrificateur. En présentant devant le peuple. Présente ce vin-là au peuple de Dieu? Non. Non, bien-aimé. Bah, il dit que c'est bon. Ils savent que c'est le bon. Mais devant le peuple. Mais devant le peuple. Ben, c'est bon. Mon Kounzaba démon. Il a un démon. Asana Moulima. C'est ça qui m'a fait une réunion à Nicolas. Ils sont dans leur Sanhédrin.
Cet homme a séduit beaucoup de gens. C'est ça l'ordonnateur qui coûte le vin. Mais la fête, elle doit servir terre. Mais il ne sert pas ce vin dans la fête. Parce que si nous avions un verset que les gens avaient mis ce nouveau vin là dans cette fête, mais il n'y aurait pas le culte d'aujourd'hui à Ariwa. Mais nous ne serions pas non plus sauvés. Suivez attentivement. Israël a rejeté le vrai vin. Israël a boit kaki vigno yamalam. Parce qu'Azala qui n'a vin vieux. Parce qu'Azala qui n'a vigno yakala. C'est ça Luc 5. Et Luc chapitre 5. Vous en avez malam? Amen. Donc c'est que par rejeté qui le vrai vin. C'est-à-dire qu'ils avaient rejeté le vrai vin. Donc vrai vin, les amis. L'enseignement y a tant haut. Le vrai vin, c'est-à-dire, c'est l'enseignement de ces temps. La grâce. Maintenant, vin y a kala. Maintenant, le vieux vin. Et ça va mater à oué les caca. Selon les enseignements passés. L'alliance y a ma belle. Donc, l'alliance des choses terrestres. Nazuinda qui ça. Je prends un exemple. Nous avons une écriture. Abraham a zala qui n'a pas si belle. Abraham avait beaucoup de femmes. Et ça, vin ancien. C'est le vin ancien. Ce qui est loyé dans mon église. Si aujourd'hui tu apportes ce vin. Colomité. Non, frère. Polygamie est en écriture. Au bas, là-bas, c'est bien présent à ma commune. Nakoanga na tena kundima pour les écritures. Je ne veux pas les renier, je dirais que c'est biblique. Mais en attendant. Mais c'est dans quel temps, frère? On a peine à voyer Bisayoke. Et là, je te dirai aussi. Masoua Noé a salagé sa biblique. Et l'arche de Noé aussi était biblique. Maintenant, cherchons aussi les bois de coffre. Et fabriquons aussi notre propre biblique. Et si on nous pose la question, on montre Genèse. Nani. Pourquoi? Et à biblique. Parce que c'est biblique aussi. Mais c'est l'ancien vin. C'est ça, vignonné à Kala. Maintenant, quand quelqu'un est en train de vendre, tant qu'on monte à Sali Koteka. Il ne doit pas faire du mal au vin. Vous prenez par exemple nos frères de Kamba. Il regarde l'écriture. Et Moïse, le Seigneur l'avait béni dans un lieu saint, il avait enlevé ses chaussures. Et tous laissent leurs chaussures d'ailleurs. Et puis ils entrent pieds nus pour prier. Ancien vin. Et ça finit en Kala. Donc cela veut dire Bazo Teka. Cela veut dire qu'ils vendent. Bazo ça la mal au vin du moment. Donc ils vendent en faisant du mal au vin du temps. Vous suivez attentivement. Oui. Omoni Mutu Aladi Rob Kanza na sentir bonnet. Vous allez voir. Atien un chapeau. Quelqu'un en soutane et puis met la tienne. Et puis te montre les versets d'Aaron. Aaron. Il avait aussi la tienne. Ancien vin. Vignon Kala. Les lots sont au teka. Aujourd'hui, si tu vas. Tu fais du mal au vin. On sent la ma peine à vignon. Amen. Faire du mal à l'huile. On sent la ma peine à ma fouta. C'est prêcher en dehors, il y a l'hymne, il y a Saint-Esprit. Et ça, côté, il y a l'ibada, il y a Omoli Moussanto, tiens, pour la Milongo. Formation théologique. Côté, il y a une école, Mokobo, une classe. Donc, si vous avez un diplôme, nous avons un côté. Donc, si tu es diplômé, c'est alors que tu deviens. Donc, diplôme, nous sommes. Donc, tous ces diplômes-là. Il y a côté en ailleurs. Donc c'est ça comme le but de ton enseignement. Donc tu vas mais tu fais du mal à l'huile. Donc aux autres camos ça la m'a bien à mon fouta. Aux autres la mala. Amen. Parce que d'autres doctrines. Parce que notre doctrine. Batalisaka. D'autres doctrines nous montrent. Oh oui le vin ça va dans un bain. Oh lui le vin ce sont les fils de Dieu. L'idée à ma bien. Un faux enseignement. Nous sommes des amis. Tout cela pourquoi? Ils ont seulement copié ou plagié ce qui sont dans les livres des Américains. Oui. Oui. On
On t'avait dit que Satan ne va pas nous persécuter. C'est ça, on t'a dit ainsi, il y a ces versets-là dans la Bible. Il fera la guerre aux saints et les vaincants. Donc il va combattre cette chair que nous avons. Et il va nous persécuter. Cette huile et ces vins ne sont pas les fils de Dieu. L'onction de la parole. Donc l'huile comme l'onction de la parole. Et vin comme l'enseignement du temps. Et les vins comme l'enseignement de ces temps. C'est bien aux enfants. C'est bien que tu vends la parole. Mais sois dans l'alliance. Mais reste dans l'alliance. Demeure-ci. Moutonnet à terre. Par exemple, tu prêches. De bon année. Mon frère. Yebake. Sache que. Il peut y arriver aussi un temps où le Seigneur va ôter l'esprit. Parce que tu as beaucoup. Il retire son esprit. Comment pas Saoul? Tu n'as pas vu chez Saoul. Saoul, on va tous quitter. Saoul, comme il avait dit. Ça va retirer. Le Seigneur a retiré son esprit. Verviers. Des avignons à Kala. Aujourd'hui, le Seigneur ne retire jamais son esprit dans ses enfants. C'est le signe de l'alliance qu'il avait fait avec David. Et c'est ça le vin nouveau. Mais il est toujours là dans ta vie. Comme déjà soyons. Comme déjà le Seigneur t'a dit. Le Saint-Esprit ne t'a pas dit. C'est ça le vin nouveau. Il y a pas de vignes en Sika. Si tu prêches comme ça, les gens vont au banque. Il faut faire peur aux gens. C'est l'esprit qui saura conduire chacun dans la crainte. Présente l'enseignement de Yahweh. Toi, présente seulement l'enseignement tel qu'il est. Lélo. Aujourd'hui, l'esprit ne quitte jamais le corps ou la vie d'une personne scellée. Sache que si le Seigneur t'a scellé, Saint-Esprit, tu es une âme appelée au salut. Le Seigneur ne peut pas commettre une erreur. Après 3 ans, regretter. Après 3 ans, le Seigneur regrette. Maintenant, ce côté. Maintenant, si tu prends Saoul, le Seigneur avait retiré son esprit. Nathan, en ces temps, aux autres dégâts, mais tu fais du mal au vin. Tu vends la parole en faisant du mal au vin. On suit l'église. Tu prends par exemple dans ton église. Tu commences à préparer tes fils. En formation théologique. Tu les inscris dans des formations théologiques. Ce sont des qui seront l'héritier de notre entreprise. Église, comme donc l'église devient ton entreprise. Alors, tu commences à faire passer ton fils devant les gens petit à petit. Si on te pose la question, où est-ce que tu as pris ces choses? On a quitté Aaron et ses fils. On a été à l'onanaba à Namibal. Vin ancien. Les avignons à Kala. Les lots pas dans un même nom de la terre et du sang. Aujourd'hui, nous sommes les fils de Dieu, nom de la chair et du sang. Nous sommes tombés sous la terre. Mais par l'Esprit de Dieu. C'est là mon lit, mon sang. Ils ont dit sous la chair, non? Et toi, tu es rentré encore dans la chair et le sang. Vins. Vignes en cala. Aux autres, qu'à les lots, mais au sala, mal au vin. Tu vends la parole en faisant du mal au vin. Aux une église, Nios. Tu prends toutes ces églises. Bethel. Bethel. Moïse, Azur et Sika. Et Moïse lui a remplacé son frère du mal au vin. Et ça pour salam amen. Aujourd'hui, l'église qui cicatène. Tu prends cicatène. Non, c'est bien là, vraiment cité. Moi, je vais citer les noms. Nayoga Kalez. Sinon, ça très simple. Sinon, je serais malade. Sinon, je serais malade si je m'offusque de citer leurs noms. Pour moi, comprendre, Nazolo Belanini. Pour que les gens comprennent de quoi je parle. Cicatène d'Akoufi. Et son fils a remplacé le trône. Faire du mal au vin. Mais ça pour ça la ma belle à vigno. Bazo vendre, mais va faire du mal au vin. Ils vendent, mais en faisant du mal au vin. Et comme on a parlé, c'est que Aaron et ses fils. Leur problème, c'est Aaron et ses fils dans l'ombre. Doctrine catholicisme. La doctrine des catholiques. Va remplacer Christ. Ils ont remplacé le Christ. Par vicarius filidei. Par les représentants du Fils de Dieu. Donc papauté. Donc
papa Yahweh. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur le va dire que je serai toujours avec vous. Je ne vous laisserai pas en fait. Quand on nous oppose à l'enseignement du temps, quand tu t'opposes à l'enseignement du temps, c'est que tu es en train de vendre, mais aux autres, ça l'a le mal au vin du moment. C'est-à-dire que tu vends en faisant du mal au vin du temps. Et Dieu bénisse. Donc, ce qu'il y en a quatre, il y saisir. C'est quand toi, tu devras saisir. Que Zambé a ordonné que Oteka me keba. Le Seigneur a ordonné que tu vends la parole, mais prends garde. Kotombo amate na makasi na yo. Mais il ne faut pas t'élever par tes propres. Il faut être à la l'huile, l'onction. Il faut que ça soit l'huile, l'onction, les saints. Qui travaille. Qui travaille. Mais tant que tu fais la makasi na yo, tu fais du mal à l'huile. Mais en travaillant par tes propres efforts, tu fais du mal à l'huile. Mais tu es en train de vendre. Parce que tu es calme, Loba. Tu es calme. Tu suis attentivement. Que Dieu vous bénisse. Et que Tozaka Kawana d'abord dans verset 6. Nous sommes toujours là au verset 6. Et la Katina Yango. Et dans tout cela, Toyagi Kotana aussi. On avait aussi vu bien que Kavanie Wana Mena Zalaki na balance. Momati Punda Zalaki na et Mekelo Abosito. Ah oui, na monite taya. Je vois montre les os à la terre. Les aïe à l'île, c'est ça. Ah oui, l'émission que par la grâce de Dieu, vous aussi m'a petit à petit. Je suis convaincu que par la grâce de Dieu, vous saisissez petit à petit. Tu peux voir une pratique et tu dis ça se fait mal au vin. Azoteka, mais il fait du mal à l'huile et au vin. Il vend, mais en offensant l'huile et le vin. Que Dieu bénisse. Amen. Et que par la grâce de Dieu. Et que par la grâce de Dieu. Le Seigneur a son gabisoto pour continuer encore l'obine tombe. Et le Seigneur nous aide, nous allons encore continuer demain matin. Et je sais que le Seigneur a béni Dieu. Et que vraiment la grâce du Seigneur est à Nicolona. Et que vraiment la grâce du Seigneur soit sur toi. Et le Seigneur te garde encore davantage. Il faut ça qu'en assurance. Il faut que tu aies cette assurance. Que Mosaïa Zambé. Que tu appartiens à Dieu. Au Bengami Obike la Mozam. Que tu es appelé à vivre la vie de Dieu. Ta vie n'est là que pour servir le Dieu vivant. Que la paix du Seigneur est à l'icolo na yo. Qui vient en colo est à l'icolo. Que Dieu te bénisse. Ça fait à part pour la yo. Amen.